C'était un invité qui n'était pas convié. Ce mercredi 19 juillet, Stevie Boulet a partagé sur les réseaux sociaux cette mauvaise surprise alors qu'il tentait de chasser un nuisible qui s'est introduit chez lui. Vous l'avez connu dans Loft Story. 20 ans plus tard, Stevie Boulet n'a jamais déserté le cœur de ses fans. Après avoir intégré l'équipe des Grosses Têtes pilotée par Laurent Ruquier, ce grand blond excentrique a décidé d'embrasser une carrière au théâtre. Son humour détonnant et son pouvoir comique l'ont propulsé sur le devant de la scène, notamment dans la pièce de Arnaud Sermolak intitulée Les Beaux-Pères. Ses premiers pas au théâtre, Stevie Boulet avait pu les faire grâce à Laurent Ruquier, son mentor. Un mentor, Stevie Boulet pourrait le devenir malgré lui dans quelques temps pour un volatile bien particulier. Une mauvaise surprise, il y a des invités dont on se passerait bien. Ce 19 juillet 2023, l'ancien chroniqueur des Grosses Têtes a été victime d'une erreur d'inattention laissant le champ libre aux intrus. Sur Instagram, il a partagé cette petite mésaventure. Ça fait trois quarts d'heure que je cours derrière un pigeon qui ne veut pas sortir de la maison. Je ne sais pas quoi faire parce que j'essaye de l'emmener vers le jardin mais il veut rester ici dans le salon, a-t-il expliqué dans une vidéo avant de solliciter l'aide de sa communauté pour tenter de déloger l'oiseau. Il est mignon mais il va quand même falloir qu'il sorte un de ses quatre. Maintenant appelez-moi Blanche-Neige, s'amuse-t-il. Espérons juste que le volatile ne se soit pas soulagé sur le mobilier très vintage de notre Stevie National.